Tout le monde se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Silent Kinwood pour une nouvelle vidéo donc de crack de Sony Vegas Pro 14. Donc comme vous pouvez le voir là, qui est craqué, donc je peux vite vous l'ouvrir si vous voulez. Donc Sony Vegas Pro 14, que j'ai craqué il y a quelques minutes. Donc voilà, le tout nouveau Sony Vegas. Donc avant j'avais aussi le 13, qui est juste ici, vous voyez. Et là j'ai craqué le 14. Donc pour faire ça, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le lien que je mettrai dans la description qui où vous allez atterrir là-dessus. Donc là, vous attendrez un petit peu et vous cliquerez sur passer l'annonce. Aussi, vous aurez besoin de WinRAR. Donc WinRAR, je vous mettrai le lien dans la description et aussi avec le lien de celui-ci. Ensuite, là, vous cliquez sur click this link. Voilà, donc où ça se fait automatiquement. Là, j'ai rien touché. Ensuite, vous allez télécharger ceci. Download et puis 7,58 mégabits. Donc vous téléchargez ça, donc après ça vous arrivera là où je ne sais où. Vous téléchargez ça. Donc après l'avoir téléchargé, vous l'ouvrirez avec WinRAR. Enfin ça s'ouvrira automatiquement avec WinRAR. Et ça vous donnera ceci. Voilà. Donc ça je diminue, vous téléchargez ça. Et ça sera comme ceci. Donc quand vous aurez fait ça, vous cliquerez deux fois là-dessus. Et avant de lancer... Vegas S14 patch, vous allez lancer Trial Vegas Pro 14. Vous cliquez deux fois dessus. Voilà. Et là, normalement, je sais pas où ça va apparaître. Voilà. Et là, vous avez une page. Et là, vous aurez l'installation. Donc là, ça va s'installer, mais je vais quitter. Voilà. Vous voyez, déjà installé. Donc en fait, vous cliquerez, ça se téléchargera. Et quand vous l'aurez fait, vous aurez juste à sélectionner la langue. Donc vous mettrez français. Et vous cliquerez bien en bas à gauche sur un marqué mettre l'icône sur le bureau. Donc ça, faut que vous le mettiez parce que c'est plus simple. Donc ensuite, si vous faites que ça, quand vous cliquerez sur Sony Vegas Pro, pardon, 14, il y aura marqué rentrer votre code, la clé en fait, que vous aurez dû acheter. Donc quand vous serez là, vous lancerez Vegas 14 patch. Donc là, vous cliquerez deux fois sur celui qui est juste en dessous. Donc là, vous voyez, le deuxième fichier en fait. Là, c'est tout en russe. Donc vous allez cliquer sur là où il y a le petit bleu où c'est marqué BCTH. Donc vous cliquez dessus. Ça va s'installer. Là, ça va vous marquer ça. Et là, vous allez faire ignorer. Et quand vous aurez fait ignorer, votre Vegas Pro 14, il sera craqué. Donc la version complète. Donc faut bien faire ignorer. Et quand vous installerez Sony Vegas, il faut que vous le laissez là où c'est. Donc dans programme C. Programme file, donc vous laissez là comme il était et vous ferez ignorer. Donc moi je vais pas le refaire parce que il est déjà craqué, vous voyez. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, vous me posez dans les commentaires et je mettrai tous les liens dans la description. Donc voilà, Sony Vegas 14. Donc je peux vite vous le lancer. Donc j'ai encore rien utilisé du tout dessus, j'ai vraiment rien utilisé, je vais juste lancer un coup. Donc voilà, mais oui, ça ressemble quand même vraiment énormément au Sony Vegas d'avant, donc ce sera juste meilleure qualité, je pense. Il y aura beaucoup plus de fonctions. Et c'est vraiment super, parce que quand même, il coûte assez cher. Hein. Là, il y a la première version qui est à 400 €, la dernière à 800 €. Alors celle-ci, je sais pas du tout laquelle c'est, mais c'est une très bonne version. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Allez, tchou, à la prochaine sur la chaîne Silent Kinwood.